Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. La quasi-totalité des dirigeants de syndicats de transporteurs critiquent la hausse des prix des carburants. Ils envisagent de recourir à la grève pour faire reculer le gouvernement. Des parlementaires ne sont pas restés indifférents face à la hausse des prix du carburant à la pompe. Ils menacent de convoquer le ministre des Finances. Plus de 2000 cas de fièvre Zika sont déjà recensés en Haïti selon les autorités sanitaires qui appellent la population à la vigilance. La quasi-totalité des dirigeants de syndicats de transporteurs critiquent vertement la hausse des prix du carburant. Tous les syndicats envisagent le recours à la grève pour faire reculer le gouvernement. Duclos Bénissois, dirigeant du syndicat Fidel, qualifie de criminelle cette décision du gouvernement provisoire. Monsieur Bénissois a démenti un écart significatif entre les prix de l'essence en Haïti et en République dominicaine. De plus, il estime qu'il revient aux autorités d'adapter les politiques monétaires pour contrôler la hausse du taux de change. Pour lui, le gouvernement n'assume pas ses responsabilités, mais veut sacrifier les citoyens. Cet avis est partagé par le président de l'APCH, Change Méhu, pour qui les protestations qui surgiront risquent d'avoir un impact négatif sur le processus électoral. Il rejette également les arguments du ministre faisant valoir que l'État a refusé pendant plusieurs mois de répercuter les prix lorsque le baril de pétrole avait chuté sur le marché international. Entre-temps, chauffeurs et passagers sont à couteau tiré, ils n'arrivent pas à s'entendre sur les tarifs de certains circuits. Interrogé par Radio et Télémétropole ce lundi, des chauffeurs de transport en commun dénoncent cette mesure qu'ils jugent inopportune. Reportage Éloge Millefort et Léel Paul. Nous sommes au carrefour de la Renaissance, mieux connu sous le nom de carrefour de l'aéroport. Dans cet espace se trouvent localisés plusieurs points d'embarquement et où se défilent à longueur de journée des milliers de passagers en direction de la plaine du cul-de-sac, de Pétionville ou encore du centre-ville. 24 heures après la mise en application des nouvelles mesures gouvernementales relatives à la hausse des prix du carburant à la pompe, des conducteurs expriment leur grogne. Pour que ça même pas fait nous bien, même dit tout. Mais nous commençons la discussion avec les passagers là. Agitation n'a pas fait du bien même. Il va mettre un conflit entre passagers et chauffeurs. Et les passagers ne connaissent pas que c'est l'État qui monte Gaza. Il va passer c'est eux-mêmes qui manquent aux dégâts. Dès qu'on a 15 gouttes là, on a là, nous venons avec 20 gouttes là, bon, les passagers n'ont pas de problème là. Ils n'ont pas voulu 20 gouttes là. Les passagers se défendent en expliquant que les autorités sont tenues de fixer les tarifs des différents circuits. C'est aussi la position d'une partie des chauffeurs de taxi. Qui choisit Bailly, il va garder sa pointe. Ou bien des gens qui disent problème quand elle vient là, elle va vous m'avoir. Pour fixer le prix, on va dire là, bon pour moi, ni pour moi, ni pour moi, ni pour passager à tout. Sous monter gaz là, il faut qu'on ait pris machine là. Et passager lui-même, il doute tout en l'état, pas de prix, il ne va pas payer. Nous venons là, nous-mêmes, nos zigzags, ça n'a pas fait sens. Et au-delà des problèmes liés au conflit entre chauffeurs et passagers, la hausse des prix à la pompe préoccupe au plus haut point des conducteurs d'autobus. Ces derniers craignent en effet une augmentation du prix des pièces de rechange comme effet collatéral de celle des carburants. Imaginez, je veux une huile à $25, mais actuellement, l'huile à $40. Il coûte caoutchouc à $750, $600. Actuellement, caoutchouc à $600. C'est seulement le gaz à monter seulement. Actuellement, le gaz à monter là-bas. Tout le monde a 6 billes là, parce que depuis que cette machine a monté, quelque soit la façon, il faut acheter. Ou pas qu'il n'y a pas de travail. Tu vas monter net. Imaginez, on va passer au coup là, nous battons 8 dollars. Même station, tout monte. La montée à la pompe des prix du carburant, une source de préoccupation à la fois pour chauffeurs et passagers. Le gouvernement est donc appelé à rectifier le tir. Pour Télémétropole, Éloge Millefort et Léel Paul. Merci Éloge Millefort et Léel Paul. Maintenant avec nous au téléphone, Maître Jean Risséan de la plateforme politique Remain Haïti et Monsieur Reynald Lubéris du parti PHTK pour plus d'éclairage sur cette question. Bonsoir Maître Séan. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Voilà. Maître Séan, le gouvernement vient de décider d'une hausse substantielle des prix du prix des carburants. Comment réagissez-vous à cette mesure? Donc, je pense que c'est une mesure abusive
pour plusieurs raisons. Un, la première raison, c'est que la mesure, elle est prise sans concertation avec les secteurs concernés, les syndicats, par exemple. La mesure, elle est abusive parce qu'elle est prise aussi dans un climat, dans un moment où il est question de boycottage des élections. Donc, nous avons analysé cette mesure comme une mesure pour handicaper le peuple haïtien dans ses efforts pour la rentrée des classes, d'une part. Et deuxièmement, c'est une mesure qui est prise dans un contexte des manœuvres qu'on est en train de faire pour éviter que les élections du 9 octobre se réalisent. Oui, bien entendu, les premiers concernés par cette mesure sont tous les chauffeurs des transports en public, mais à travers eux, c'est finalement toute la population qui risque d'être affectée. Comment pensez-vous que et les syndicats et la population va réagir à cette mesure? Bon, et en effet, c'est un produit transversal, le carburant. Ça veut dire que ça va affecter le prix de tous les produits. Des produits alimentaires, des produits de luxe, jusqu'aux produits de nécessité et de base. Donc, cette mesure, elle est prise et elle va affecter toute la population haïtienne, en particulier les petites bourses, en particulier les marchandes, en particulier les écoliers, en particulier les parents, tout cela qui auront à utiliser directement le carburant, tout ce monde sera affecté par ces mesures abusives. À ce moment où l'argent ne circule pas dans le pays, à ce moment où on est proche des élections, à ce moment où le CEP a du mal à trouver l'argent pour réaliser les élections, on comprend justement que ce climat de sérénité que nous cherchons pour réaliser les élections dans de meilleures conditions, et le gouvernement n'en veut pas. Donc c'est pour cela, je pense que la mobilisation, on lance la mobilisation et la mobilisation est de mise pour que tout le monde force ce gouvernement à revenir sur sa décision. Il ne faut pas laisser de côté. Mais aujourd'hui, tant bien que mal, nous sommes en train de faire avec un président qui n'est pas président, un président qui est là et sans le vote du peuple haïtien, sans un accord. Et voilà ce gouvernement totalement illégal et illégitime qui prend des mesures pour jeter le trouble dans la société. Donc nous croyons qu'il est bon, il est grand temps que tout le monde comprenne les manœuvres de ce gouvernement et que les mesures soient prises du côté du peuple haïtien, du côté des candidats, du côté des leaders, du côté des partis politiques pour forcer ce gouvernement à comprendre qu'aujourd'hui nous avons besoin de calme, nous avons besoin de sérénité. Nous avons besoin d'un climat propice aux élections et non un climat propice à la violence. Ce qui peut sauver le pays, ce qui peut nous permettre de prendre le chemin de la paix, ce sont les élections. Et ces élections doivent se faire le 9 octobre, que le gouvernement le veuille ou pas. Maître Séan, merci infiniment de nous avoir accordé quelques minutes de votre précieux temps. Je sais que vous avez beaucoup de pain sur la planche. Merci de nous avoir répondu et à très bientôt. Merci M. Klein, merci à tous les téléspectateurs de Métropole, merci à toute l'équipe de Métropole et à la régie en particulier. Merci et à bientôt. Au revoir. Bonsoir M. Rénal Lubéris. Bonsoir Métropole, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Monsieur Lubéris, comment vous et le PHTK réagissez à cette décision du gouvernement d'augmenter de manière substantielle les prix du carburant? Déjà, en fait, des conséquences au niveau du panier des ménages. Parce que quand on sait qu'en février, le prix du sucre, en fait, était autour de 150 $. Aujourd'hui, on est autour de 270 $ haïtiens, j'entends. Donc aujourd'hui, étant donné que tous les produits, en fait, le prix du pétrole a un impact sur tous les produits. Par exemple, si on prend l'huile, l'huile est transportée par des camions. Les camions utilisent, en fait, du carburant. Donc forcément, ça va avoir des conséquences sur les produits de première nécessité. Donc les paysans, ceux qui sont les moins bien lotis de notre société,
seront les premiers à payer les conséquences de cette décision injuste. Donc c'est pour ça que nous, au niveau du PHTK, on exige que le gouvernement revienne sur cette décision, parce que ce n'est pas normal que les gens essayent de gaspiller les maigres ressources de notre pays et aujourd'hui faire porter en fait la responsabilité sur la population. Donc nous pensons que vraiment ce gouvernement travaille contre Haïti, contre la population, mais ce n'est pas nouveau. Après 29 ans de pouvoir, on voit ce qu'ils ont fait d'Haïti. Ce sont les mêmes qui, dans les années 90, 95 par exemple, qui ont décidé de détaxer tous les produits de première nécessité, de détaxer en fait les produits alimentaires, donc ce qui a occasionné des problèmes économiques graves pour les paysans, et concentrer en fait la fiscalité sur le pétrole. Donc c'est une paresse fiscale qu'ils ont introduite au niveau de l'État, et ils poursuivent, ils ne savent pas faire mieux. Donc il ne faut pas attendre que Lavalasse fasse mieux. Et aujourd'hui, Lavalasse a beaucoup de candidats, on a M. Célestin, M. Maurice Jean-Charles, etc. Les mêmes, donc ils s'apprêtent à faire les mêmes choses. Heureusement, les gens qu'ils appellent des zombies, c'est-à-dire le peuple, la population haïtienne, va décider, et on ne va pas décider dans le sens de ces gens-là, parce que ces gens-là ont déjà assez fait en Haïti. Ils ont fait assez de mal à ce pays pour pas que le peuple haïtien les choisisse. Dernière question, Monsieur Lubiris. Pensez-vous que les élections du 9 octobre soient menacées? PHTK tire la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup de partis politiques qui s'apprêtent à dénoncer les élections après 9 octobre. Nous, on demande à ce que les partis politiques soient proactifs, d'essayer de voir ce qui ne va pas aujourd'hui, de dénoncer aujourd'hui, de sorte qu'après le 9 octobre, on puisse laisser au pays toute sa chance pour qu'on ait un gouvernement légitime, un président légitime, qui puisse prendre des décisions en faveur de la population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Monsieur Rénal Lubiris, merci infiniment de votre intervention. Affaire à suivre, bien entendu, ce n'est sans doute qu'un début. Merci encore et bonne soirée à vous. Je remercie Métropole, je remercie tous les amis téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était pour moi un réel plaisir de vous parler. Merci, au revoir. Des parlementaires ne sont pas restés indifférents face à la hausse des prix du carburant à la pompe. Plusieurs d'entre eux, interrogés par une équipe de Télémétropole, fustigent le comportement du gouvernement qui a pris la décision d'augmenter de façon significative le prix de l'essence. Ces élus annoncent qu'ils vont convoquer le ministre de l'Économie et des Finances, M. Yves Bastien, qui aura à fournir des explications sur ce dossier. Nous considérons ça comme étant un crime contre le peuple haïtien. Ce que le sénateur Jean-Marie Salomon considère comme un crime, voire un coup de poignard dans le dos de la population, n'est autre que la hausse du prix du carburant sur le marché. Une décision malencontreuse du gouvernement qui survient à un moment difficile où des parents d'élèves ne savent à quel sein se vouer, à la veille de la rentrée officielle des classes. Une mesure qui, selon l'élu du Sud, est susceptible de perturber la fragile stabilité du pays. Nous croyons que c'est important pour que le gouvernement a fait un retrait immédiatement parce que il y va non seulement de la stabilité politique du pays, mais l'important tout pour que gouvernement ressaisisse et change fusil d'épaule. Ce que dénoncent les sénateurs n'est pas la hausse du prix des produits pétroliers en soi, mais cette brusque augmentation de 30 gourdes du gallon d'essence. En ces temps difficiles où l'État haïtien se doit de relever le grand défi du financement local des élections, il aurait été plus logique que le gouvernement mette fin à certains privilèges des hauts fonctionnaires. C'est l'avis de Maître Jean-Renel Senatus qui annonce la signature d'une résolution par l'Assemblée en vue d'amener l'administration Privert Jean-Charles à réviser sa position. Pays a pas qu'à guérir dans le moment ça pour le supporter Chaïsa. Par conséquent, nous écrit, nous attendons demain matin si Dieu veut, pour nous placer l'idée avec vous, nous pas trop extrême. Pour nous dire, yo doit retirer tout 30 gouttes là. Mais nous prenons le bataille pour nous garder ce qu'on a retiré 25 gouttes. Retirer 20 gouttes qui te permettre au moins la population de gagner ceinture, de gagner rien pour préparer rentrer des classes qui viennent là. La décision du gouvernement d'augmenter le prix du carburant crée des remous au niveau de toutes les sphères de la société. Certains secteurs menacent d'entamer une grève. Les ministres de l'économie, du commerce et des affaires sociales devront s'expliquer ce mardi par devant le Sénat de la République.
Plus de 2000 cas de fièvre Zika sont déjà recensés en Haïti selon les autorités sanitaires qui ont présenté un bilan partiel depuis le début de l'apparition de ce virus dans le pays. Selon les chiffres disponibles, le département de l'Ouest est le plus touché avec plus de 1000 cas. Il est suivi du Nord où l'on recense plus de 500 cas. Les femmes enceintes demeurent les plus vulnérables face à ce virus car l'infection peut avoir des conséquences sur le bébé. Reportage Luckner Garot et Guitry Choisy. Contrôlé sur plus de 32 semaines épidémiologiques, le virus a connu un pic au début de l'année 2016 avec 305 cas durant la 7e semaine. Aujourd'hui, la tendance est à la baisse. Seuls 15 cas ont été recensés pour la 32e semaine, indique le coordonnateur des maladies à transmission vectorielle. Les femmes enceintes demeurent les plus vulnérables face au virus Zika en raison des conséquences que l'infection peut avoir sur leur bébé. Aujourd'hui encore, le ministère n'a confirmé qu'un cas de microcéphalie lié au virus Zika. Toutefois, d'autres cas suspects sont recensés, selon le docteur Jean-François Lemoine. Les examens du baccalauréat pour la session extraordinaire auront lieu du mardi 23 au vendredi 26 août. Dans cette optique, le ministère de l'Éducation nationale invite les candidats à bien vérifier leurs notes afin de pouvoir identifier les matières qu'ils auront à reprendre.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Et jusqu'à la prochaine édition, même heure, même chaîne.